Ok, yo. Alors, attendez. Hop, sur le jeu. Game capture. Bougez pas, Little Nightmare. Normalement. On est bon. Ok, nickel. Parfait, parfait. Alors, attendez. Comme d'hab, le petit rituel. On met la caméra plutôt pas trop mal. Voilà, nice. Alors. Du coup, on est parti pour la suite de Little Nightmare, les DLC. Alors si je fais reprendre par contre, est-ce que j'arrive dans les DLC ou est-ce que j'arrive dans le jeu? Enfin le jeu de base, par contre le curseur ça va pas le faire. Normalement dans le... Yes, le DLC, ok, nice. Reprenons. Alors, déjà je vais fermer un peu le store derrière moi parce que ça fait masse lumière. Et c'est un peu relou. Ah. Ok. Alors, j'ai complètement oublié de mettre les lights. Je reviens une petite seconde. J'ai foutu quelques. Enfin, j'ai juste allumé les lights à côté de moi. J'arrive. Merde. My bad, je trouvais plus mon casque. Bougez pas. Hop. Ok, alors, let's go. C'est parti. Alors, on a les trois là. Non, attends, ouais, ça on l'avait fait, donc du coup ça nous avait donné accès à cela. Non, le curseur, tu dégages, je t'ai dit. Du coup, eux, on peut les choper et peut-être les balancer là-dessus, là, non? Bah ouais, go. Allez, go. Venez. Voilà. Ah, il y en a un là. Il y en a un là. Mais non, mais non. Tirez-le lui. Sortez-le de là. Mais comment je fais pour le sortir de là? Non? Ok. Moi bon, je sais pas comment on fait. Mais ça va aller, champion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La petite trappe. Hey! Mais qu'est-ce qu'il va faire? J'arrive, j'arrive, t'inquiète. T'inquiète, copain. Voilà. Mais oui, allez, viens avec nous. On va partir pour de folles aventures. Alors. Quoi? Hein? Où est-ce que je dois aller là? Où dois-je aller? Bah, qu'est-ce qu'il a lui? Bah. Voilà. Allez au boulot. Je sais pas trop ce que je dois faire, mais je regarde juste, admettons qu'ils aient envoyé tous les trucs dedans, il se passe quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Merde. Bah. Je comprends pas trop, faut peut-être choper ça. Peut-être, je sais pas. Hein. Pas du tout. Ça n'a absolument rien changé. D'accord. Ah là, je suis pas sûr de capter. Je sais pas, j'ai déjà fait tout ça. Peut-être qu'il faut que je récupère celui qui est coincé dans la terre là. Peut-être. A priori, ça a sauvegardé, donc peut-être que je suis aussi sur la bonne, enfin, sur la bonne voie. Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Merde, putain. Alors. Alors. Mais c'est pas possible, je suis. Waouh, j'ai des déficiences de la motricité là, j'ai l'impression. Allez, là-haut. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, par en bas si tu veux, mais. Non, par en haut. Voilà, ressort. Voilà. Ok. Ok, on a réussi. Je pensais pas que ça serait si compliqué de faire un truc comme ça, quoi. Ok, donc ça, on peut pas rentrer. On peut pas rentrer, d'accord. Ah mais oui, c'est parce que ça mène sur la pièce à gauche, là. Mais on a déjà fait tout ça. Putain, c'est terrible.
C'est absolument terrible. Je ne sais que faire. Je vais partir du principe qu'il me manque peut-être un dégât. Non! Je me suis trompé de touche. Je me suis trompé de touche. Ça commence bien. Allez, on fait pas la même connerie qu'il y a 2 minutes. Voilà, on y va. On prend ça. Voilà. Et là, on descend. Ok. Ensuite, on prend le petit raccourci. Voilà. Et let's go. Oh, j'espère que c'est ça, hein, parce que sinon, je suis à court de. Ah oui, ça arrête pas de sauvegarder en fait, dans tous les sens. Sinon, je suis à court d'idées, quoi. C'est ça le problème. Ah, mais toi là, viens là. Venez là tous les deux d'ailleurs. Toi, tu viens. Voilà. Toi aussi, là, qu'est-ce que tu fais? Au boulot, hein. Et normalement. Ah, ben voilà. Parfait. Ah, c'est pas fini, ok, il en faut encore. J'imagine, ouais. Ok, c'est ça. Toi là. Mais tu veux pas qu'on libère celui-là là? Mais pourquoi il fait ça? Je veux pas ça. Et si je fais ça? Non, ok, bon, c'est pas grave, viens avec moi. On va voir si juste un de plus ça suffit. Ça serait vraiment cool parce que sinon, je sais pas où trouver le dernier quoi. Donc admettons qu'ils s'y mettent aussi. Ah, il va plus lentement que les autres lui, hein. Il galère, hein. Et merde, c'est pas suffisant. Putain, il en faut un de plus. Au moins un de plus. Mais lui, Ah voilà! Hey, copain! T'inquiète, ça va bien se passer. Allez, viens avec moi. Hop, je t'envoie là-bas. Let's go! Allez, petit. Allez! Allez, tu vas là-bas. Tu mets des trucs de charbon dedans, là, et on fait tout péter. On va voir, après qu'ils aient tous amené leur truc. Non, sérieux? Ça suffit pas? Oh merde. Oh putain, mais alors là, je sais pas où il faut aller, hein. Je sais pas, je vais essayer d'ouvrir cette trappe là tout à l'heure, j'ai pas. Il y a juste celui qui en est sorti, mais. Non, là. Voilà. Ok, ça sert à rien. Très bien. Très bien. Il doit pas en manquer beaucoup. Donc, mais pas de ce côté-là. Voilà. On va trouver ce qui nous manque. Ça va pas traîner là. Ah super. C'était vraiment très efficace. Ça. Je sais plus si on avait du coup tué le méchant là. On va voir. Déjà on va descendre ou monter, je sais plus. Monter. On va voir si on a récupéré tous ceux qui sont là-haut. Peut-être pas, c'est vrai qu'il en manquait peut-être là-bas. Hop. Vous êtes tous les copains? Il n'y en a plus un seul? Ah merde! Ah, c'est embêtant ça. Ah, plus un seul. Je pensais qu'il en restait au moins un. Que j'aurais oublié négligemment. Mais pas du tout. Ah, fuck! Yes, parfait. Voilà, c'était un bel échec ça. Ok, bon bah là il n'y a plus rien. Là on est sûr qu'il n'y a plus rien. Ok, très bien. On va voir s'il y en a dans la salle. Peut-être avec le mec avec les longs bras, mais je sais pas si je l'avais pas tué. J'espère que je l'ai tué, mais je suis pas sûr. Bah non, parce que. Techniquement non, puisque c'est avec. C'est avec l'héroïne qu'il y a ça.
Où est-ce qu'il est? Ah, la porte est fermée. La porte est fermée, merde. Mais attends. Mais ça veut dire qu'on a tout fini? Enfin, qu'on a tout ce qu'il fallait? Parce que si c'est le cas, si c'est le cas, je sais pas ce qui manque. Attends, on les a tous là? On a tout, tout. On a tout. C'est ennuyeux. C'est très ennuyeux ça. Bah du coup j'imagine qu'il faut retourner là-haut, hein, à gauche. Vu que là il ne se passe rien, peut-être qu'il y en a dans la salle juste à gauche. Bon, je sais pas où je vais là. Hein. De toute façon, on peut plus rentrer. Bah nickel. Ok. Bon. Au moins de ce côté-là, on est bloqué. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, on est bloqué aussi, donc il faut forcément monter. C'est la seule explication, là, pour moi. C'est... À moins que... Est-ce qu'on peut sauter sur un... Bah non, c'est rien, de toute façon, elle monte plus, donc ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être là? Ah, mais il y a des trucs. Ben oui, il y en a là. Eh oui! Hé, hey, copain, viens là. Non, 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 pas comme ça. Voilà, plus haut. D'accord. Il faut qu'on fasse tomber ce truc-là. C'est vrai. Donc ils doivent aller là-dessus. Pour qu'ils aillent là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était lequel déjà le truc. Non, c'était pas là. Merde, c'était où? C'est peut-être à l'étage. Bah, ça doit être à l'étage du dessus, j'imagine, mais. Enfin, je vois que ça. Non, là-bas, à droite. Voilà, nickel. Non, à droite. Voilà. Putain. Waouh. Compliqué, hein. Alors. Allez, monte. Voilà, monte. Allez. Voilà. Ok. On monte là-haut, on passe à gauche. Putain, on va finir par la connaître par cœur, la map. On fait ça, on essaie de pas tomber de l'escalier cette fois-ci. On réussit, oh. Là, on va là-dedans. Allez. Est-ce que lui, on peut en faire quelque chose? Absolument pas. D'accord. D'accord, alors. Je sais plus où il est le mec avec ses longs bras. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être qu'en fait je l'ai tué la dernière fois, hein, je me souviens plus, mais. Allez, on tire ça. Boum. Ok, let's go. Là, c'est le jump. Et on retombe ici. On retombe ici. Et là. Et là. Et là, c'est la misère, hein. Parce qu'il n'y a plus rien à gauche. Il n'y a plus rien pour moi à gauche. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah, ça me saoule. Je sais lesquels il manque, mais je sais pas comment les atteindre. Là, il n'y avait rien non plus. Et puis au final, on va réatterrir bah, ouais, dans la pièce où il y avait les deux petits. Comment faire pour les sortir de là? Comment faire? Est-ce que je peux, je sais pas moi, ouvrir quelque chose? Non. Et si je la... Genre, je la décale? Non. Je suis sûr de pas pouvoir les lancer, là. Si je fais ça, comme ça. Ok, faut que je sois un peu plus loin. Comme ça, genre. Ça marche pas. D'accord. D'accord.
Putain, mais c'est pas possible! C'est impossible! Attendez, don't move. Petite seconde. Ah, c'est chiant que ça mette du temps comme ça à apparaître le curseur. Putain, j'ai aucune idée de comment. Comment les faire passer, quoi. Yo Black Cat, comment tu vas? Ça va tranquille. Ça va tranquille, à part que c'est un peu la galère sur Little Nightmare là. J'avoue que. Alors, hop, voilà. L'extension, je la trouve beaucoup plus dure que le jeu de base. Bah, en fait, je suis à ce passage-là, je sais pas si tu y as joué. Et en fait, normalement, il y a ces petits là qui sont en train d'alimenter le feu. Et voilà. Et je suppose juste qu'il faut qu'à un moment on monte là-dessus. Mais en fait, ils sont pas assez. Il doit en manquer. Il en manque un petit peu, tu vois, des petits mecs comme ça là. Le problème, c'est que j'en ai vu deux là-haut, mais je sais pas du tout comment les faire descendre. Donc voilà, voilà mon grand drame. Yes, j'ai bien raté mon saut là, ça fait plaisir. Allez, là aussi, voilà. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Mais comment est-ce que ça peut. Je sais pas du tout comment faire. Peut-être là. Il doit y avoir un truc avec ça. Mais je sais pas quoi. Dès que je lâche ça, ça repart. Peut-être qu'il faut que je balance un truc comment ça s'appelle, dans le seau là, mais je n'en ai aucune idée. Peut-être ça. Mais non, mais je suis beaucoup trop bas. Je suis beaucoup trop bas. Ah non, merde, excuse-moi. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. On va trouver. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que les deux derniers là, ils sont juste là. Ils sont juste là, mais tu vois, ils se tiennent au-dessus d'une trappe, donc j'imagine qu'on doit pouvoir les faire descendre. Le seul souci avec ça, c'est que je ne trouve pas de levier pour le faire. Et je viens de faire toutes les cartes, quoi. Ça rend fou. Ça rend absolument fou. Là, y a rien. Ouais, assez, ouais. Ah, c'est un petit peu compliqué là. Je sais pas, je vais essayer de monter. Y a peut-être un truc au-dessus d'eux. Genre là-haut. Peut-être. J'en doute fort, mais peut-être. Oh yes, je vais plus monter. Ouais, de ouf. Moi, je sais pas pourquoi je continue de me prendre des jeux comme ça qui sont hyper compliqués. Enfin, compliqué pour moi, hein. Après il y a plein de gens qui doivent pas du tout galérer dessus, je pense, mais moi c'est vrai que je suis bien en galère là. Alors si j'appuie là-dessus, il se passe quoi? Ok, on revoit ce passage-là, ça je sais, je l'ai déjà fait 1000 fois, et si je rappuie dessus, ça l'éteint, nickel. Parfait. Vraiment parfait. Il n'y a pas le moindre levier, quoi. Là on peut pas monter, du coup. De toute façon, a priori, c'est pas là. Si on peut pas y remonter, c'est que c'est pas là. Ouais, donc clairement, c'est mort. Complicado. Putain, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Là, y a rien. Absolument rien. Tu vois, ils se tiennent là, là. Ils rendent fous.
Je sais pas, moi je peux pas sauter dessus, genre. Non, il se passe que dalle. Ah, il se passerait. Est-ce que je peux tirer? Je sais pas, moi. Ouais, non, ça sert absolument à rien non plus. Il doit y avoir un levier, hein, c'est sûr. C'est sûr. Ou une poignée, enfin un truc comme ça à tirer. Wow. C'est fou, enfin, je sais pas, ça me paraît très logique que ce soit ça là, l'espèce de nœud coulant qu'il y a dehors. Mais en fait non. En fait c'est pas ça. Et là, si je saute là-dessus, il va rien se passer, hein. Exactement. Ok, il se passera. Parce qu'il manque les deux qu'on a vus à gauche. Donc si il manque ces deux-là, forcément. Je dirais que logiquement, ça doit se passer sur la partie gauche de la map, donc là où on est depuis tout à l'heure. Et je vais baisser la caméra parce que c'est vraiment trop haut. Ok. Alors, si c'est le cas, il doit y avoir un truc par là. C'est obligé. Mais a priori, rien de ce qu'elle a, quoi. Là, on peut pas rentrer dedans. Là non plus, c'est trop haut. Et ouais. Donc on peut juste tomber là-dedans. Ok. Ensuite. Y a rien. Hop. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voyez quelque chose que je vois pas, parce que là, je suis en forte galère. Peut-être qu'il faut passer en dessous, là, je sais pas, j'ai jamais essayé. Pas du tout. Ça va pas plus loin que ça, donc c'est nickel. Très bien. Ok. Qu'est-ce que ça peut être? Ça, à part activer la scie, je vois pas ce que ça fait. On va le faire quand même, hein, mais... Voilà. Ça sert à rien. Nickel. Par contre, ça fait du bruit, c'est chiant. Bah allez, bah saute. Mais... Ok. Et si j'envoie ça là au milieu? Yes! Super! Super! Bon, non, c'est chiant ça. Non, c'est chiant. Voilà, allez, stop. Hein? Est-ce que c'est mieux? Oh non. Mais c'est vraiment ma. Mon, mais c'est incroyable ça! Eh ouais, il était mute. Mais non, mais putain, ça me rend ouf. En fait, quand je switch entre mes scènes, bon, j'en ai deux, hein, seulement. Généralement, je mute les petits trucs avant que le live se lance vraiment. Et évidemment, très souvent, j'oublie d'enlever ça. Donc là, ça fait genre 27 minutes que c'est mute. Nickel. Oh là là, j'en ai tellement marre de moi. C'est. Je suis insupportable. Quel enfer! Salut Claudio! Putain! Ah là là! Comment ça? On va se casser d'ici parce que ça fait vraiment du bruit. Mais. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, je crois que j'étais bloqué dans le décor. Mais ça rend fou! L'espèce de volant, en fait, il ouvre comment dire, la trappe par laquelle on vient de passer. Ouais, le jeu est très cool, mais là, il est difficile de ouf. J'arrive pas à trouver ce qui manque, quoi. Là, ça n'a rien à voir ici, c'est pas du tout ça. Non! Putain. Ah, où est-ce que ça peut être, putain? Celui-là, là? Ouais. De toute façon, eux, ils sont déjà baissés, donc je peux pas les atteindre. Je peux pas les remonter. Tu vois, genre celui-là non plus. Là-haut, il y avait plus rien. Ça rend fou. C'est incroyable. Ça doit être tout simple, hein, mais... Non, c'est rien non plus. Là c'est pareil. Putain mais c'est incroyable.
Mais ouais, je le trouve beaucoup plus compliqué que le jeu de base. Hein. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'énigmes et tout. Et voilà, il y a ces deux-là là, qui me rendent fou. Putain, mais passer là-haut, quoi, c'est un truc de fou. Il suffirait qu'il passe là-bas. En plus, il y est presque, quoi. Franchement, il fait pas d'effort. Putain. Est-ce qu'il y avait un autre moyen? Mais non, il n'y en a pas. Il faut forcément les faire passer par ce truc-là, quoi. C'est obligé, c'est obligatoire. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est fou quand même. C'est fou. Genre sans déconner, ils arrivent à s'accrocher à des poignées et tout normalement. Ils arrivent à faire ça. Mais là, il leur manque genre... je sais pas moi, 5 cm. Bon bah je vais me recasser encore mais... En fait je vois pas pourquoi ça serait ailleurs qu'au-dessus. C'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. J'ai fait toute la partie de droite. Toutes. Et j'ai absolument rien trouvé. Et la partie de gauche, c'est pareil. Ouais, le nœud coulant, je l'ai essayé. Et le problème avec celui-là, c'est que, en fait, il fait que faire descendre un. Enfin, faire remonter, du coup, un espèce de saut quand t'es dessus. Enfin, quand tu vas sur le nœud coulant. Mais c'est tout. Et il y a rien dedans et il se passe rien. C'est ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Top. Mais qu'est-ce que c'est? Ah bon, on va réfléchir. On va réfléchir. Il y a forcément un truc qui doit être dans la partie gauche. Là, celle du haut, on l'a fait tous ensemble. Il s'est rien passé. Celle du milieu, il n'y a rien non plus. Alors je sais pas, moi peut-être qu'il faut que je rappuie sur un truc sur lequel j'ai déjà appuyé. Genre ça. Putain. Sans déconner. Sans déconner. Bon bah venez avec moi, hein. Non mais putain, mais ça... Mais c'était pas logique. Oh là, je suis trop con, putain. C'est ça le problème en fait quand on fait. En fait, le problème de. Quand on joue à Little Nightmare en plusieurs fois, et voilà, bah oui, hein. Eh oui, c'est là, ça marche. Hop là, on saute là-dessus. C'est que du coup, on oublie ce qu'on a activé, ce qu'on n'a pas activé, etc. Enfin, moi, c'est. Je parle pour moi, hein, ça en tout cas. Et du coup, ça donne ce genre de scène magnifique. Où je galère pendant 20 minutes pour un truc où en fait, fallait juste aller là-dessus. Eh ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Hop! Bon, au moins on va pouvoir avancer. Ah, c'est sympa ici. Je suis où là? Hop, allez, moi je vais pas là-dedans par contre. Ciao. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hey, salut. Attends, j'arrive. Oula. Ok. Ok, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toi là, viens m'aider. Ah, oula, venez tous m'aider. Venez, on tire là-dessus. Allez. Allez, venez, on tire. Ouais, ils sont pas pressés, hein. Ah, ok, ou sinon vous pouvez le faire vous-même, ouais, ok, c'est cool. Merci beaucoup. Trop sympa. Allez, on se casse. On va avec eux. Ah ouais! Oh, c'est joli par contre. L'ambiance est vraiment cool là. Et lui, il me suit, c'est ça? Ah. Ah, j'aime bien cet endroit, c'était cool. Oula. Pourquoi ça bouge comme ça? Allez, voilà. Ok.
Oui. Oh putain! On est juste au-dessus de la boss du premier jeu. De la boss finale du premier jeu. Oh. Oh. Ok. Donc ça, on l'a terminé. Très bien. Ouais, c'est des DLC. En fait, il y a trois DLC qui sont l'histoire de ce personnage-là. Enfin, de ce personnage-là ou de ces personnages-là, parce que je sais pas si on joue la même à chaque fois, même si elles se ressemblent. Ouais, si, c'est la même. Enfin, c'est le même. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça. C'est les trois DLC. Là, on vient de finir le deuxième, du coup, en fait. Mais en fait, les trois DLC sont quasi. Enfin, se ressemblent de ouf. C'est, on a un peu l'impression de suivre une seule histoire, quoi. Du coup, là, on est parti pour le dernier, j'imagine. Hop! Allez! Oula, celui-là, j'ai failli le rater, hein. On va pas se mentir. Ok, let's go! Alors. Ok. Je sais pas chez qui on est là, mais. Ah, on doit être bah, justement chez la boss du premier. Oh, c'est sûr que c'est elle qui va nous tuer au final. Bah, je peux aller là-bas? Ah ouais. Ah, cette fois on peut aller vers le fond comme ça. Ok. Bon, bah, ça sert à rien, mais on peut le faire, en tout cas. À titre d'information. Alors. Je peux rentrer là-dedans là, et faire tomber les livres? Moi, je veux pousser les livres. Ouais, il se passe rien, ok, d'accord. Il y a une sale ambiance quand même ici. Hein. C'est pas fou quoi. Oh. Oh là. Ok. Ce qu'on dit c'est que je vais passer doucement, hein, madame. Hein? Allez, te retourne pas. Tout va bien se passer. Ok. Ok. Alors je continue de la garder un peu dans mon champ de vision et on avance. Ok, très bien. Wow. C'est pas très rassurant comme décor. Ok. Je sais pas du tout où aller par contre. Wow, il y a des étages dans tous les sens. Est-ce qu'on ferait pas d'abord toute la partie gauche? Ah! C'est quoi ça déjà? C'est un truc à casser, je crois. Oh putain! Oh là là! Ah! Merde, elle est où la porte? Bah. Je suis mort? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis mort. D'accord. D'accord. Yes. Écrasé. Cool. Bah très bien. Bah on l'enlève pas hein, du coup. Ouais, c'est sympa. En fait, dès qu'on ouvre ça, c'est là. Ah oui, si. En fait, il y avait bien une porte, mais c'est juste qu'elle s'est fermée quoi. Parfait. Bah on va pas rester hein, du coup. Je vais aller. Bon là-bas y'a rien, je vais aller à l'étage. Allez, hop. Bah vas-y monte. Non, qu'est-ce que c'est fait? Mais hein? Mais pourquoi ça. Pourquoi? Pourquoi y a une échelle si on peut pas monter à l'échelle? C'est très bizarre. Bon, ça, je vais pas réessayer, hein, parce qu'il me semble que ça avait fermé la porte quand même. Et donc là, on en a une échelle qui ne mène nulle part. D'accord. Bon, bah, techniquement, la partie gauche, elle est déjà finie en fait. On va descendre voir à droite. Est-ce que je peux éteindre la lumière? En effet. Je pense que ça me sera utile plus tard. Alors.
Qu'est-ce qu'il y a ici encore? Quel piège va pouvoir va apparaître? En fait, on peut rien faire là. La porte elle est fermée. Ça. Est-ce que je peux les bouger ces trucs? Non. Ça, je peux le bouger? Pas du tout. Ok. Ok. Bon bah on va aller ailleurs. Du coup, en haut. En haut à droite. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, oh, je suis épuisé. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Pourquoi il y a un livre par terre avec un œil dessus? Est-ce qu'il y a un œil dessus? Je sais pas, dans le doute. Ya! Ok, ça servait à rien. D'accord. D'accord. Bon, bah, on va monter. En espérant que cette fois, il y a un truc au bout de l'échelle. Et pas une barrière. Yes, nickel. Voilà, exactement ça. Très bien. Bon, bah, du coup, ça sert à rien non plus. Putain, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il faut aller? Mais on a fait tout le tour. On a tout fait, là. Hein? C'est pas... Qu'est-ce qui... C'est pas possible qu'il y ait juste une pièce vide comme ça, ici. Peut-être qu'on peut monter aux étagères. Bon, pas celle-là, a priori. Je peux me décaler? Non, ok. Je peux grimper là. Mais de toute façon, ça, on a qu'à regarder vite fait, hein. Y a rien. Y a rien. Peut-être qu'il faut les remettre là-bas. Avec... Ah, mais oui. Mais oui, mais oui. Je vais récupérer ça. Je veux ça. Je veux récupérer ce livre. Il va là-bas. C'est ça. Ok, là, on a découvert un truc. Y a quoi là-dessus? C'est quoi le symbole sur celui-là? Nickel. Alors. Est-ce qu'il n'y en a pas un rouge dans le coin? Parce que là, il y en a un aussi qui traîne. Hop. Ça vient là, ça. Allez. À la lumière. Ok, nickel. Ça nous donne vraiment pas d'infos. Ça, non. Du coup, ça, oui. Le bleu, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Alors. Ah bah là, il y a celui-là. Ça, c'est sûr. Il est ici. Ok. Ensuite, espèce de symbole avec un œil. Ça, là. Mais. Je sais pas. Non, ça va pas là. Là? Non, y a rien. Là? Non plus. Mais en fait, y a pas de place. Donc en fait, c'est peut-être juste au milieu qu'il faut le mettre. Genre là. Pas du tout. Mais pas du tout. Allez, dégage. C'est peut-être celui-là, hein, en vrai. Il a l'air un peu rouge. Vite fait, quoi. Non plus. Bah merde. En fait, il nous reste vraiment un seul truc à découvrir. À moins qu'on puisse en retirer d'ici. Genre ça. Non. On peut rien retirer, là? Non plus. Ok, c'est trop bizarre. Donc il en manque un seul, et c'est un qui a... Non, qu'est-ce toi, toi? Qui a cette espèce de symbole avec l'œil dans le triangle, là. Illuminati, genre. Donc si c'est ça, peut-être qu'on peut les trouver dehors aussi. J'imagine que ça doit être faisable. Si vous voyez un bouquin avec un œil Illuminati, n'hésitez pas à me dire. En même temps, c'est pas comme si des bouquins t'avais que ça dans cette baraque. Est-ce que je peux prendre celui-là, là? Ah oui, je peux le prendre, merde. Et y'a quoi dessus? Rien. D'accord. Y'a une clé là-bas aussi à gauche. Pourquoi faire simple, ouais, c'est vrai. On va rallumer ça. Bon, pour ce que ça nous apporte, c'est-à-dire pas grand-chose. Et là, les livres... Putain, foie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a forcément un gros symbole dessus, ça peut pas être juste celui-là parce qu'il est un peu rouge. Et le problème c'est que... Est-ce que ça veut dire que je dois retourner dans la pièce à gauche? Non, je pense pas. Je pense pas. Il y avait vraiment pas de livre dans cette pièce à elle.
J'en ai aucune idée. Franchement, je suis à deux doigts de tenter celui qui est en bas là. Genre sur un coup de chance, ça peut passer. Allez, let's go. Let's go. Alors, donc on a celui-là. Oh, qu'est-ce que j'espère que c'est celui-là. Eh mais attends, est-ce qu'on peut pas décaler les échelles aussi? Waouh, ça a tellement pas l'air d'être celui-là. Eh non, yes. Eh ben ça dégage. Putain. Je me demande si on peut pas décaler les échelles parce que je crois qu'elles ont des roues en fait, ce genre d'échelle. Je vérifie, mais si je fais genre ça. Allez, ça. Et yes, en effet. Bah voilà, il est là-haut. N'est-ce pas? J'ai bien l'impression qu'il est là-haut. Il monte. Voilà. Et oui, je me suis dit que c'était vraiment plus marrant de le faire à gauche. Là où je dois escalader comme un débile derrière. Plutôt que juste de le prendre. Enfin, de la décaler à droite, quoi. Et oui. Allez, ça dégage. C'est celle-là. C'est celui-ci. En tout cas, a priori, mais... Oh, j'ai cru que j'étais mort. J'ai vraiment cru que j'étais mort. Ça aurait été tellement minable. Allez, let's go, c'est celui-là. Hey, hey. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai activé un truc? Désactivé un truc? Ah, ça aurait été ridicule. J'ai dû activer un truc à gauche, techniquement. À droite, je veux dire. C'est sûr. Juste regarder s'il est toujours dans sa pièce, elle, là-bas. Parce que je me souviens qu'elle m'avait fait le coup pour le premier Little Nightmare. Ouais, elle est là-bas. Ça avait été terrifiant, ce passage, dans le premier. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez là. Mais putain, sa rencontre était pas drôle. Hein. Ah, ça a rien déclenché, ici. Ok. Putain, je l'aurais parié, pourtant. Bon, bah, on va remonter. Et on va aller sur le côté gauche, parce que du coup on va pouvoir bouger l'échelle. Eh oui. Maintenant on connaît le Trix. On le connaît. Hop. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, là il y a la clé qu'il nous faut. On pourra jamais récupérer la clé. D'accord. Ok. Faut peut-être la foutre. Ah, faut la foutre dans son œil. Je suis sûr. D'accord. Vraiment, c'est efficace. Le bouton il fait quoi? Il tourne ça. Ok. Et si je fais ça? Mais ça sert à rien. What? D'accord, ça, ça le tourne comme ça. Ok, j'ai compris. Là, est-ce que du coup, ça le tourne comme cela? Waouh. Ah, je suis pas le pro en énigme, moi. Non, pas par là. Voilà, pas par là. Et si j'appuie maintenant là-dessus? Non, pas là-bas. Là. Ah putain, ça rend fou. Ok, donc là on est pas mal. Faut juste que je fasse ça. Ah putain! Ah! Déjà on a fermé un œil. Oh putain, faut tous les fermer? Non. Ah non. Pas tous les fermer quand même. Si je fais ça derrière. What? Mais... Hein? Quoi?
Et peut-être un dernier coup. Et que là on fasse genre ça. Non, ça. Ok, toujours pas. Oh là là, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Ça s'arrête même pas où je veux. Je suis en train... Oh là, je vais péter un plomb. Ah, oh, je vais péter un plomb. Ah ouais, non mais... Putain. Là, si je touche à ça... Normalement... On en a 2 sur 3. Là, on en a 2 sur 3, attends. Alors peut-être. Alors peut-être. Hein? Bah, c'est ce que je pensais, mais... Mais attends, quoi? Et peut-être qu'il faut que je fasse ça pour le dernier. Eh oui! Yes! Yes, yes, yes! Merci. C'était chaud. Oula! Ça, c'est la statue de la méchante, hein. Mm-mm. Elles vont pas bouger, hein, les statues. Hein, qu'elles vont pas bouger. Ouais, non, ça va, c'est tranquille. Ils sont horribles. Ils sont tous moches. Tous plus moches les uns que les autres. Ok, bon, on va aller là-bas. J'aime pas ce silence. Attends, quoi? Oh, mais c'est pas possible. Encore plus d'interrupteurs, s'il vous plaît. Puis dans une pièce dans le noir, au cas où, histoire que vraiment on soit sûr de bien galérer. Je sais pas, bon, admettons que je clique sur celui-là, il se passe quoi? Rien, ça fait juste de la lumière, ok. Bon bah, pareil. Allez, hop. Ah, ils sont beaux, hein. Ah, ils sont beaux, ils ont des belles têtes de vainqueur. Ah, lui, c'est un champion. Elle aussi. What? Oh, me dis pas qu'il y a un ordre. Ouais, les portraits font vraiment flipper. Est-ce que c'est une question de temps? On va voir, si j'attends un peu. Non, on dirait pas. Donc si j'appuie sur celui-là après... D'accord, ça a tout éteint, c'est parfait. Et ensuite, lui. Oh putain, il est affreux. Lui. Oh la vache. Donc en fait, soit t'allumes la partie gauche, soit t'allumes la partie droite. C'est ça le délire, mais attends, mais c'est pas possible, il doit y avoir un moyen de... Putain. Ah, si vous êtes chaud en énigme, n'hésitez pas à proposer des solutions. Parce que là, peut-être que... Alors je sais pas, il y a peut-être une logique, mais non, il n'y a pas de logique puisqu'on a pu le faire dans les deux sens. Genre tout à l'heure, j'ai commencé en faisant droite vers la gauche. Et après, j'ai fait gauche vers la droite. Et là, si j'appuie sur ça, ça va tout éteindre. Exactement. Et si je fais genre ça, puis ça? Ok, donc là, on peut allumer par exemple tout le fond. Mais si j'allume ça, ça s'éteint. Ou alors, est-ce que c'est 4? Est-ce que ce qui est important, c'est pas le chiffre 4? Genre si je fais au pif. 2 3 et 4. Allez. Mais que là, à partir du moment où je mets le cinquième. Ok, donc c'est ça. Donc, c'est forcément un groupe de 4 qu'il faut allumer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est lequel. Parce qu'ils sont quand même 8. Alors, en fonction de quoi ça pourrait être? Est-ce que ça serait pas simplement... Mais non, parce qu'il faut qu'il soit 4. Alors, c'est les deux parents de chaque truc, de chaque groupe. Donc c'est peut-être juste tous, sauf les gosses. Peut-être.
Mais non, je suis sûr que non. Genre, peut-être que c'est ça. Là, je prends elle. Mais non, je suis déjà à 4. Et il manque lui. Putain, ma théorie est mauvaise. Pardon, wow, c'était dur. Voilà, réfléchissons. Je vais tenter un truc. Toi. Avec. Toi. Et ensuite. Toi. Et. Toi. Bah là, techniquement, tu sais, il y a deux statues avec des gosses, mais sur les tableaux, il y a lui. Enfin, lui, j'imagine que c'est un enfant. Lui là-bas, là, qui fait flipper. Et peut-être lui à gauche, mais je suis même pas sûr. Peut-être qu'il faut que j'appuie sur ça maintenant. Bordel de merde. Salut Calice. Salut Calife. Pardon, Calice. Comment ça va? Alors quoi, ce serait pas par rapport au gosse? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça peut être? Bah ça va bien, mais peut-être allumer leur tête. C'est possible. Peut-être qu'il faut en allumer que deux, et que si on prend le problème à l'envers. Et je sais pas trop si c'est deux femmes, mais oui, c'est vrai qu'elles ont deux jupes. Le problème, c'est que dans les enfants, il y a que deux garçons en fait, j'ai l'impression. Ouais, je pense, c'est peut-être ça. Ah oui, combien de femmes sur les tableaux? Ben oui, je vais éteindre ça. Je vais éteindre ça, ça peut être deux femmes, mais est-ce qu'il y en a que deux? Il y a elle déjà. Et ensuite, il y a elle. Et le problème c'est que j'en ai allumé deux quoi. Donc logiquement je peux en allumer deux de plus, mais lesquels? Est-ce que ça a un intérêt? Non, c'est pas ça, non. Je sais pas, peut-être la pièce d'avant va me dire quelque chose. Peut-être que dans la pièce d'avant, on va apprendre des trucs. Est-ce qu'ils sont tous dessus? Parce que eux deux, ils y sont. Si je vais là, un peu plus à gauche, il y a lui et lui. Mais il y a elle aussi, putain. À une près, on aurait pu avoir les quatre là, potentiellement. Deux statues à droite sans la tête. Celle-là? Celle-là peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être qu'il faut prendre cette espèce de bébé chelou. Avec lui, à droite là, avec sa vieille tête. Puis lui là, avec sa petite raie sur le côté et sa tronche tordue. Et les deux gros là. On va essayer. Donc ça serait. Merde, faut que j'éteigne ça du coup. Au final, il faudrait qu'il y ait genre ça d'allumé. Avec ça. Puis ça. Et puis. C'était qui le dernier déjà? Ah oui, lui là-bas. Ah, mais je suis pas sûr, c'est vraiment tiré par les cheveux. Oh! Alors, est-ce qu'on serait pas un petit Sherlock Holmes là? Putain, merci. C'était complicado. Ah, ça, je vais l'ouvrir, ça va encore foutre la merde. Je regarde juste ce qu'il y a d'autre dans la pièce avant de me faire écraser contre le mur ou un truc comme ça. Eh, hey, y a quoi là-haut? Y a rien?
Et il y a parfaitement rien. Peut-être là. Non. Ok, nickel. Très bien. Ah yes. Une autre énigme. Ah non, mais ça, on peut le péter. Viens là, toi. Voilà. Toujours boire les espèces de liquides étranges qu'on trouve dans des endroits comme ça. C'est vraiment la morale de ce stream. Alors, ça, ça dégage. Voilà. Oh, ça s'est brisé dans les airs. Normal. Pas de problème. Si je prends ça, il se passe quoi? Genre parce que j'ai faim et tout. Et je le mets genre là. Ouah, c'est de la merde. Non, toujours pas. Yes! Bon, ok. Quelle phrase? J'ai oublié. Oh mon dieu! Ah bah je meurs. Instant. Dac. Super. D'accord, donc t'en avais... Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il doit forcément y avoir un truc à faire à droite. Ouais. C'est sûr que si tu le prends comme ça. Là? Non. Ouais, faut jamais toucher au statut. Et ça là? Putain, c'est pas... Peut-être qu'il faut que je mette... Non mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce que je fais. Peut-être qu'il faut retourner au début, là où il y avait la meuf chelou, parce qu'il y avait une clé à côté d'elle. Et peut-être qu'avec tout ce qu'on a fait, elle a bougé de sa pièce. Hey, c'est quoi ça? Ce serait pas un petit interrupteur sur lequel je peux pas appuyer? C'est une blague, hein, j'imagine, parce que de toute façon, le saut, je pouvais pas le déplacer. Let's go. On va tenter. Bon, au moins, c'est ouvert. Ça a pu se refermer, c'est cool. Ça. Y a pas des indices là encore? J'ai pas l'impression. Hein. Ah. Eh oui, y a encore ce truc là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quoi ça? Ah! Yes! Bon. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Ok. À droite, on avait fini. Alors, je suis sûr qu'elle est toujours là. Vu qu'il y a toujours sa musique, c'est sûr qu'elle est toujours là. Ah putain. Elle a sa clé juste à côté, là. Comment je peux faire pour la faire bouger? Peut-être qu'il faut que j'éteigne les lumières. Maybe. Si je fais ça, et pareil de l'autre côté... Ouah, ça m'étonnerait encore une fois, mais... Hop. Aucun changement. Ouais, normalement, ouais. Enfin, je pense, hein. C'est quoi, je vais essayer. Je vais essayer pour la beauté du geste. Bonjour, madame. Ouais, ça s'entend au... Le son est pas rassurant, là. Excusez-moi, je passe juste vite fait. Oh putain. Ouh. Yes. Bon, j'ai pas sursauté, hein. Putain. Oh, j'ai fait un arrêt cardiaque. Bon, t'inquiète. Bon, au moins on sait que elle, c'est... Voilà, c'est danger. Putain. Comment est-ce que je fais progresser là-haut? À gauche, il y avait forcément la truc avec la statue dans la pièce là. Mais ça veut pas être que des pièges, il doit y avoir un truc à faire. Peut-être que si je le prends vite et que je me casse en mode Indiana Jones, ça peut le faire. Ah mais attendez, il y a un truc que j'ai pas fait. Je vais tester un truc. Ok, bon là-bas y a rien. Bon bah ça n'a pas marché. Ok, non mais attends, je l'en mets. Ok. Bon. En fait, je me disais peut-être que ça pouvait ouvrir la porte qui est de l'autre côté.
Mais en fait, pas du tout. Comment faire? Comment faire? Et est-ce que, si je prends genre la statue qui était à droite, où ça nous a tué tout à l'heure, et je la ramène à... Non mais c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Wow. Putain. Ah, encore une fois, il est plus dur que le premier opus, hein, je trouve quand même. En fait, il est moins orienté à action que le premier, je trouve. Bon, je dis pas que le premier c'était full action, mais il y en avait un peu quand même, il y avait pas mal de trucs à esquiver, etc. Là, c'est vachement plus énigme. Mais du coup, est-ce que je peux pas vite la prendre et passer dans le... Je vais tenter un truc. Un levier à côté du lampadaire? Où ça? C'est possible, hein, je l'ai peut-être juste raté. Alors... Ici là? Parce que celui-là, c'est celui qu'on a utilisé pour le... Ah oui! Celui qui est à gauche, c'est celui qu'on avait utilisé pour allumer le courant, justement, pour allumer le truc à lumière là, tu vois. Pas de soucis, t'inquiète. J'essaie de regarder les statues au cas où il y a un indice ou un truc comme ça, mais... Je ne sais pas du tout. Alors, je vais essayer de prendre la statue vite et de passer dans l'ombre, vu que le truc peut pas me tuer dans l'ombre. Mais je suis pas sûr d'avoir le temps. Si je fais genre ça. Ok, je vais voir comment il bouge. Ok. Peut-être qu'il faut que je l'emmène à droite? À droite ou à gauche? Pensez. Allez, je vais essayer à droite. Oh, je suis protégé. Oh, je suis safe. Quoi? Ah, je suis one shot là. Putain, il m'a même eu là-dedans quoi. Mais je me demande si c'est pas un truc à faire. Honnêtement, je pense que c'est un truc à faire. Par contre, la question c'est est-ce qu'il faut que je l'emmène à droite, là où il y a les petits. Genre la pomme et tout là. Genre là. En même temps, je le mets où quoi? J'avais peut-être juste à la place du radis. Enfin, c'est un radis. Ouais, c'est un radis ça. Non, c'est un navet. N'importe quoi. Si je mets à la place du navet, peut-être qu'il se passe un truc. Par contre, s'il se passe rien, j'aurai un peu la haine. Allez, vite, on descend. Hop. Voilà, là, on est safe. On se met vraiment à la bordure, quoi. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Vite, 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 vite. Ok. La passe? Mais pourquoi? Ok. Ok. Bon, admettons. Ça, je le jette. Hop. Et ça, on le pose là. Merde, j'ai raté. Merde. Là. Que dalle. Il se passe que dalle. Mais le bien. Ta mère. Putain, mais ça rend fou. En fait, c'était pas du tout là, j'imagine. Non, ça me dégoûte. Genre, je fais ça. Allez, je mets. Allez, c'est bon, vas-y, je mets des trucs dans chaque. Ouais, bah ça sert à rien. Nickel. C'était parfaitement useless. Ah, j'avoue que je sais pas trop. Parce que je me dis, si j'emporte ça là où il y avait la pièce qui nous écrase, ça va rien changer à part que on pourra mettre le truc au milieu. Ouais, ça va être pareil. Franchement, je vais essayer parce qu'il nous reste que ça à faire, je pense, mais. Yes, parfait.
Mais passe, mais passe. Mais allez. Mais vas-y. Pourquoi il veut plus, il veut pas y aller dans ce sens-là? Ah bah je suis mort, nickel. Ah non, je suis pas mort. Ah. Oh, ok, d'accord. Ok. Allez, 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 ça passe, voilà, ça passe. Quoi? Oh, c'est chaud. Ah merde! Je suis allé trop tôt. Ok. Oh, je suis stressé. Vite! Là-bas, là-bas, là-bas. Hein? Mais c'est où? Ah oui, c'est un peu plus bas, ok. Non? Hein? Oh! Oh la couille! Mais c'est fermé du coup. Ah! Ça fait comme l'autre pièce en fait, tu ne peux pas sortir de la pièce avec ce truc là. Bon bah c'est parfait. Je sais pas ce que je fais, moi je sais pas pourquoi je passe par là. Bon en fait autant mourir, ça sert à rien. Allez, allez. Putain, mais c'est pas possible. Je sais pas du tout quoi faire là. Parfait, nickel. Bah, voilà, je voulais me foutre un peu plus dans la merde, c'est fait. C'est... Là, c'est chaud. Là, vraiment, c'est chaud. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Parce que là, tant que ça, je ne remets pas dessus, la porte de gauche se ferme. Comme pour l'autre l'autre pièce. Du coup, c'est-à-dire que s'il y a un truc à faire, c'est forcément avec le côté droit. Sauf que je peux rien poser dans leurs espèces d'assiettes, là. Donc, que faire? C'est hard. Là, c'est hardos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là je vous avoue que je suis à court d'idées. Putain. Je vais récupérer ça. C'est forcément là-bas. Enfin, je sais pas, c'est obligé. C'est obligé, enfin je vois pas comment ça pourrait être autrement quoi. Je sais pas, il veut pas la poser bien à la limite. Genre... Naze. Absolument naze. Là y'a rien, là-haut non plus. C'est un truc de ouf. Ça, ça se casse de toute façon. Voilà. Putain, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Attendez. Juste checker un petit truc. Rien à voir avec le jeu d'ailleurs, mais. Hop. Hop. Ah, j'ai pas d'idée quoi. J'ai vraiment pas d'idée. Je sais pas, honnêtement je sais même pas si je dois retourner en bas ou quoi, si j'en sais rien. Je n'en sais rien. Peut-être que je sais pas, peut-être qu'on n'a pas assez exploré le début. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on va partir au début. Là je pense qu'on va se suicider. Allez, voilà, vas-y, vas-y, meurs. Oh là là, au secours. En fait, je pense que ça, c'est des sales... Mais non, non, je voulais mourir, voilà. C'est des sales pièges. Mais...
C'est chaud, c'est vraiment chaud. On va pas revenir là, hein, ça nous bloque. Bon, en fait, à mon avis, il faut juste qu'on déverrouille petit à petit des pièces de la maison, en fait. Pas forcément pour les enchaîner. Donc là, techniquement, on est allé en haut, à droite. On a débloqué 2-3 pièces, je crois, en gros. Et là, on tombe sur une salle piège. Ok. Ça, c'est pas grave. Ensuite, ici, on n'a pas la clé. Donc on est l'étage du haut, il est condamné. On n'a qu'à dire ça. À droite, il n'y a rien à faire. Peut-être que, bon, franchement, on va réexplorer la partie de gauche. Avec la meuf. Sans se faire cramer comme tout à l'heure. Ça peut le faire. Ok, on y va. On y va doucement. Voilà. On s'approche pas trop. Vraiment, on longe le mur. On longe le bord. On passe là. Allez. Je sais pas, il y a peut-être un passage secret, un truc qu'on a raté. C'est possible. Là voilà, on peut se relever, on est peinard. Parce que c'est vrai qu'on était passé assez vite là-dessus. Notamment, genre les pièces qui sont là. Enfin, là c'est pas des pièces, mais c'est juste des couloirs, mais. Qu'est-ce qu'il y a ici? Putain, par contre, ça s'éteint à chaque fois. Yes. Parfait. Je vais peut-être vous mettre un peu plus de luminosité en fait. J'y pense, mais. Hop. Ouais, voilà, à peine visible, ouais. Nickel. Voilà. Histoire que même quand c'est comme ça. Ok, ça n'a rien changé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Là-bas, on sait qu'il y avait que dalle. Peut-être vraiment au début, quoi. Il y a des livres qui tombent partout et tout. Il y a peut-être un truc avec les livres encore. Bon, je sais pas trop quoi, mais. Est-ce qu'on trouve un espèce de. Hein? Mais c'est ouvert à gauche? Je me sens même plus si. Ah, mais non, mais il y avait une porte ici. Ah. Mais on n'est pas allé à gauche, mais oui. Et là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas la moitié d'un truc? Comme pour l'autre côté. Donc, il faut qu'on trouve un livre avec un espèce de masque. Bah, comme elle, en fait. De masque blanc. Ok, c'est parti. Si vous voyez un livre avec un masque blanc, n'hésitez pas à me dire. Bon, clairement, c'est pas là. Peut-être que justement, la partie de gauche, on la zappe au début, volontairement. Parce qu'il faut d'abord déverrouiller des parties à droite pour trouver. Le livre en question. On est dans la théorie là. Oula, par contre, on va éviter d'y aller pleine balle comme un Bobby là. Allez, on avance. Hop. On passe là-dessous. Elle nous a pas vus. Ça fait quand même 2 heures qu'elle se regarde devant le miroir au ralenti, mais bon, après, c'est voilà, c'est des choix de vie. Hein, c'est. Oh, j'ai le cœur dans les chaussettes. Allez, on se casse. On se casse. Où est-ce qu'il y avait la bibliothèque? C'était en haut ou en bas? C'était en haut. On va juste checker au cas où là, qu'il n'y a pas un petit livre qui traîne. Et qu'est-ce que c'est? Bon, je me mets à confondre même les étiquettes maintenant avec ça. Ok, let's go. Il y a quoi à gauche? Il y a rien. Il y a absolument rien. On se tire. Ça doit être là-haut. Waouh, on est épuisé. On est vraiment épuisé là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le coin? C'est quoi ça? Ok, on peut pas le prendre, donc déjà c'est pas celui-là. Allez, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quoi, il y a un obstacle invisible? Ah, ok, étrange. Très étrange. Celui-là là. Je peux pas le prendre, celui qui est fermé là? Non, pas ça. Dégage. Allez, je vais monter là-dessus moi. Putain. Non, pas celui-là non plus. Ok, pas celui-là non plus. Alors. Hein? C'est moi ou tout est rangé là? Je ne savais pas que j'avais laissé tout dans cet ordre, dans ce. Enfin comme ça, quoi, je pensais que c'était un peu en désordre quand même. C'est pas possible. Mais il est forcément là.
On a déverrouillé un truc tout à l'heure ici, c'est vrai. On a déverrouillé un truc et on n'en savait pas ce que c'était. Allez, bouge de là. Ah si, putain. On va décaler ça sur le côté, hein. Ici. Non. Ok, en fait, on n'avait pas le choix. C'était forcément là. Ok, allez. On n'oublie pas. On cherche toujours ce petit truc avec le masque dessus. Voilà. Hop. What? Mais. Pourquoi il y a un livre en bas là? Est-ce que je peux sauter sur la lampe? Non, pire idée. Ouais, je l'attente. Ça a pas marché! Ouf, oula. Qu'est-ce qu'ils foutent tous là? Le jeu il a bugué. C'est aucun de ceux-là? C'est aucun de ceux-là. D'accord. Alors là, je vous cache pas que c'est compliqué là. Putain, mais où est-ce que c'est? Sans déconner. Sans déconner. Là, on a tout vu. On a tout vu, je suis en train de. Eh ouais, putain. C'est incroyable. Oh, j'en roule sur tous mes fils. Eh ouais, c'est la grosse galère là. Mais on va s'en sortir, hein. On va s'en sortir. Faut juste trouver un livre, c'est sûr. Parce que le moment où on va trouver juste ce livre, on va être bien. Donc là, techniquement, on a refait la partie de droite. Ok, il n'y a rien. Peut-être là, mais j'en doute. C'est pas dans la pièce de gauche parce que de toute façon c'est fermé. Enfin, c'est avec l'espèce de piège. Donc c'est peut-être au-dessus. Et c'est peut-être là que ça qu'interviennent les pièces qu'on a débloquées tout à l'heure. Un truc à droite des escaliers? À droite. Le ça là? Attends. Ça me fait remonter. Enfin, je sais pas si tu parlais de ça. Peut-être là. Non. Ah. Bah ça fait ça. je sais pas, putain, il y avait pas des livres ici? Ah là, s'il vous plaît, il peut bien y avoir un livre. J'ai pas l'impression. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Alors. Eh oui, il y a que dalle. Il n'y a absolument rien, il y a que des statues. Là, il y a le truc qui est ouvert. On a fait tout le tour, hein. Putain, on a fait tout le tour. Il est introuvable. Comment est-ce possible? Ouais, il est où? Il est à l'agonie. Le personnage est à l'agonie. C'est pas là, hein. C'est vraiment pas là. Si je monte, il se passe quoi? Que dalle. Il se passe vraiment rien. De toute façon même, enfin, je pense pas qu'ils auraient caché un truc en arrière-plan comme ça n'aurait. Ça serait vraiment très vicieux, mais pas dans le bon sens du terme. Pas genre vicieux mais intelligent. Vicieux genre juste relou. Du coup. Bah il me semble vraiment pas parce qu'il y a. En fait ça fait vraiment le même écart que le truc de tout à l'heure. Justement, quand on était dans la bibliothèque. Je pense vraiment que c'est ça. Et là, il y a un petit mur invisible qui fait plaisir, hein, quand même. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à en choper un, quoi. J'arrive pas à le choper. Franchement, je suis à deux doigts d'aller regarder si ma théorie, elle est bonne ou pas sur Internet, quoi. Tellement je suis en galère. Il y a peut-être un truc là. Je la regarde vraiment bien, minutieusement. Peut-être qu'il faut, je sais pas, moi, que je les prenne et que je les lance. Non, pas du tout, ça va pas assez haut. Mais genre là, genre si je le lance là-dedans.
Putain, je suis en train de rentrer dans tous mes câbles, c'est vraiment relou. Attendez, on va faire un petit check-up. Check-up d'un truc, hop. Ça rend absolument fou, mais vraiment, vraiment fou. J'ai aucune idée de comment avancer là-dedans. Après, peut-être que... Ouais, non, c'est n'importe quoi. Peut-être que... Je sais pas, où est-ce qu'on pourrait le trouver? Où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Bon, ok. On prend nos esprits. Là, on est sûr que c'est pas là. On est sûr et certain que c'est pas là. Et le curseur, voilà, c'est relou. Ok, ça dégage. Mais dans ce cas-là, où est-ce que ça peut être? Je sais pas, il y en a pas un sur ma route, genre? Non. Putain, je suis désolé. C'est vraiment, vraiment pas... comment dire. Putain, c'est pas ouf comme ça que ça galère autant, mais... Mais waouh, c'est chaud, quoi. C'est super chaud. Je vais regarder en vrai, hein, pour nous débloquer, je pense. Parce que là, c'est pas possible. Là, c'est... C'est parfaitement impossible. Et ouais, c'est un enfer. C'est un enfer. Attends. Non, attends. Est-ce que j'ai des hallucinations? Franchement, est-ce que j'ai des hallucinations? Ouais, j'en ai. J'ai carrément des alus. Ouais, putain, j'ai vraiment cru que ça l'était, quoi. Bon, je vais checker, on va pas rester là comme ça mille ans. Alors, que nous dit Internet? Que nous dit le dieu Internet? Alors, déjà il lag, et ça c'est intéressant. Pire connexion. Ah ouais. Ah bah. Ah là ça va être un problème, j'ai l'impression. Attendez. Non mais c'est ça qui est bizarre en fait, c'est que même pas normalement. Je suis pas censé avoir une mauvaise connexion, c'est juste que... Il est un peu en galère. Mais non mais a priori c'est bien un livre. Mais là où il l'a chopé, dans ce que je suis en train de voir, moi j'avais rien, donc c'est un peu inquiétant. Mais si, en fait... Évidemment, évidemment. Attendez, vous allez voir parce que vraiment, c'est tout con. Enfin, c'est tout con. Il faut quand même une mécanique de pensée que j'aurais jamais eue. Hein. Je vous cache pas que là, si j'avais pas été voir, jamais j'aurais trouvé. Jamais, impossible. En fait, c'est tout simple, mais c'était... Il était où? C'est un bouquin qu'on a vu tout à l'heure et qu'on a rangé quelque part, je crois. Attends. Où est-ce qu'on l'a foutu? Où est-ce qu'on l'a foutu? Il faudrait que je le lance par là pour voir. Non, et celui-là? Voilà. Vous voyez? Ce petit truc-là, là? Ce petit truc-là, là? Tiens, putain. C'était ça. C'est lui. Je le reconnais. Ah, c'est relou. Putain, en fait, il était juste genre posé dans le mauvais sens ou un truc comme ça. Et en fait, fallait revenir en arrière, retrouver un truc qu'on avait déjà utilisé. Non, pas là-haut, pas là-haut, pas là-haut. Ouf, c'est bon. Exactement. Exactement. C'est toujours comme ça.
Putain, des fois j'ai un sens de l'observation, mais il est catastrophique. Ok, là par contre, on va aller doucement. Parce que là, on peut pas s'accroupir? What? Pourquoi je peux pas m'accroupir? Mais non! Mais non! Sans déconner? Sans déconner. Ok, hein? Mais pourquoi? Ah mais c'est pas possible, mais c'est mais ça, c'est un enfer. Attends, parce que si je peux pas m'accroupir, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut, faut que je le lance? Peut-être qu'il faut que je joue au foot avec? Genre que je le pousse comme ça? Ah, ça marche pas, d'accord. Si j'avance tout doucement. Le poupon? Ah, ça là? Genre je lance ça. Je vais essayer. Ok, ça a pas marché. Putain, ça rend ouf. Ça rend vraiment, vraiment ouf. Ok, donc il faut que je passe le livre de l'autre côté. Mais, voilà. Le problème, c'est que ça fait du bruit. Je peux pas y aller, genre... Peut-être que c'est parce que genre j'étais en train de reprendre mon souffle et que genre il faisait... en essayant de passer et que ça fait du bruit. Peut-être. J'en doute, hein. Ah, c'est sûr que non. Si je vais comme ça... Là, je fais pas de bruit, hein. Yes! Yes! Oh putain, c'était chaud. C'était vraiment chaud. J'étais trop tendu. Oh putain. Ok, bon, on va enfin rapporter ça. Voilà. Ah ouais, je fais le tachycardie là, je pense. Allez, ça, ça va là-dedans et ça va arrêter de nous faire chier. Voilà. Voilà, la porte elle s'ouvre maintenant. C'est bon ça? Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Eh ben c'est vachement sympa comme décor. Si c'est comme dans le premier. On va voir. Je prends ça, boum, ça dégage. Allez, non, allez, poussez. Non, pas par là. Plus par là. Il y a quoi dedans? La cendre retourne à la cendre. D'accord. Ok. Ok. Si ça fait comme dans le premier, la meuf elle aura disparu. Et là ça sera inquiétant. On va voir. Oh, je sens que ça va être terrifiant. Ah merde, il y a toujours sa musique. Donc elle a pas dû bouger. Ok, elle a pas bougé, mais putain. Sans déconner. Tout ça pour ça. Bah ouais, pas pareil, même réponse. D'accord. D'accord, d'accord. Attends, je vais voir, il y a peut-être un truc à aller récupérer. Peut-être que j'ai zappé, mais... ça m'étonnerait. Mais bon, on sait jamais. Putain, ça rend fou. Je vous jure que ça rend fou. Je sais pas, il y a une grande porte là, elle veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec les poupées quand même. Que les salles elles sont pas juste piégées pour être piégées. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut faire avec? J'en sais rien quoi. Là, ça n'a servi strictement à rien. À part quoi? Je sais pas, moi, il y a pas. Pas un truc à prendre? Non, peut-être pas.
On a foutu de la cendre là-dessus. Faut peut-être regarder où est-ce qu'on a foutu de la cendre, mais... Genre... Mais genre partout, en fait. C'est pas possible. Peut-être en face, là, dans le tableau, il y a un truc, je sais pas. Non. J'y comprends rien. J'y comprends vraiment rien. Est-ce que je peux pas... Je sais pas moi, y a pas un truc qui ressemble à une des petites statues que je pourrais prendre avec moi, par exemple? Non. C'est pas possible, hein. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Parce que là... C'est vraiment compliqué, quoi. Putain. On repasse là. Hop. Parce que là, putain, je vois pas du tout à quoi ça a servi, quoi. Il doit y avoir un truc, c'est forcé, il doit forcément y avoir un truc avec... avec les petites statuettes, là. C'est obligé. C'est obligatoire. Mais quoi ? Parce que le problème, c'est que ça ne s'ouvre pas, quoi. Si ça s'ouvrait encore, ok, mais... Là, dès que je vais la prendre, ça va repartir. Si je fais ça. Eh oui, ça s'ouvre pas. Eh oui, bien évidemment. Voilà, je la remets. Et hop, ça redescend. Putain de merde. Putain de merde. Ah, c'est assez compliqué là. Je pense que j'ai pas assez d'heures de sommeil derrière moi pour avoir l'endurance suffisante pour. Pour. Je suis où? Voilà. Hola Tribax! Comment ça va? Merci pour le fleuro, Clairouche. Pour le fleuro, j'ai dit. Pour le follow, je voulais dire. Terrible. Éternellement bloqué de... T'inquiète. Merci beaucoup pour le follow. Ah. Comment allez-vous? Vous assistez à un grand moment de blocage, là. Un très très grand moment de blocage. Ouais, j'ai des problèmes d'élocution là. Ça fait 1h40 que je suis sur Little Nightmare, je commence à avoir le cerveau qui fume. Mais vraiment, qui est en train de brûler, je pense. C'est là même parler, ça devient vraiment vraiment compliqué. Ben, c'est sympa, merci beaucoup. J'espère que vous kifferez. Après, je vous cache pas que là on est dans la difficulté. Hein. Là, on est vraiment dans la difficulté. Je suis pas un pro des jeux où faut être, faut être fort en énigme et tout. Je bégaye, mais ça, c'est la fatigue. mais alors là, ouais, je suis désolé. Je suis désolé. Je ferai en sorte que ça se reproduise pas. Du coup, je vais éviter de dire les pseudos, sinon je vais galérer. Mais je vais péter un plomb. Ouais, le premier, je l'ai fini. Bah, je l'ai fait... on est quel jour? Mardi? Ouais, mardi. Je l'ai fait... Samedi dernier, je crois. Ouais, je pense que j'ai fait samedi dernier. Je l'ai fait en quasiment une fois. Il était incroyable. Et ça, c'est le DLC, du coup. Je crois qu'on est au troisième DLC, là, si je dis pas de conneries. Et c'est bien, hein. Mais waouh, c'est dur, quoi. Samedi? Ouais, samedi. Nickel. Parfait. Champion du monde, qualif. Le boss. Ça fait un peu peur. En fait, ça fait peur par l'ambiance. Et
Enfin, comme vous pouvez le voir, voilà, y a des gueules déformées. Tous les personnages sont comme ça, quoi. Tout est angoissant en fait. Et il y a une tension, il y a la musique qui fait assez flipper, qui participe bien. Par contre, t'as pas beaucoup de jumpscares, tu vois. C'est pas un jeu d'horreur en mode Outlast, tu vois, je sais pas moi, White Day ou des trucs comme ça, tu vois. Mais par contre, c'est. Waouh, c'est compliqué, quoi. L'ambiance est vraiment très cool. Bah là, comment dire? Il y a un boss qui est dans le coin. Enfin, un boss. Un ennemi. Qui est l'ennemi principal, en fait. Ah oui, comment dire? T'as joué au premier déjà? Ah non, tu m'as dit que tu avais pas joué. C'est assez ouf, mais voilà, si tu veux voir un personnage un peu. Voilà, l'ambiance, c'est ça. Mais ouais, dans le doute, ouais, commence par le 1. Mais elle, par exemple, elle est pas drôle, quoi, tu vois. Par exemple, elle, on se marre pas des masses avec. C'est-à-dire que si vous voulez, je peux me faire cramer, histoire que vous voyez la gueule qu'elle a. Allez. Je donne mon corps à la science. Voilà, quoi. C'est ce genre d'ambiance. Je vous donne tout, moi je me livre sur un plateau. Ouais, elle est sympa, elle met sa petite musique en boucle là, bien creepy là, c'est cool. Mais le problème maintenant, c'est que on est toujours bloqué. On est toujours vraiment, vraiment. Attends. Attends, 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 attends. Ok, alors je crois avoir compris un truc. Mais voyez-vous, sur le sol, là il y a un rond, là il y a un petit triangle, et là-bas un petit carré. Comment dire? La statuette qu'on avait trouvée là-haut, là. Elle avait un truc triangle en dessous. Si je dis pas de conneries. Et celle qui est en haut à gauche, elle avait un truc rond. Donc il faut poser ces trucs-là. Donc il faut bien les sortir des pièces. Et le problème, c'est que. Et le problème, c'est que j'ai aucune idée de comment on les fait sortir des pièces. Parce que dès que je chope un truc, je me fais destroy. À moins que. Non. Ah, peut-être. En fait, je pense que là, ce qu'il va falloir faire. Mais attention, cette théorie, je la sors de nulle part. Hein. On est vraiment dans la théorie là. Mais. Pourquoi il y avait un espèce de navet tout flingos dans la pièce de droite? C'est peut-être. Pour mettre à la place d'une statue qui aurait justement le socle quoi, qui serait rond aussi, peut-être. Et donc il faut la remplacer, il faut à chaque fois aller dans la salle et remplacer la statue par un objet qui a le même socle. Qu'en pensez-vous? Genre là il faudrait un truc carré, triangle. Triangulaire. Bon par contre, j'ai pas souvenir d'avoir vu des masses de trucs triangulaires. Ça, je vous le cache pas. Mais ça, genre, c'est un peu rond, ça peut passer. Mais, par contre, ça va être problème si elle veut pas récupérer, si elle veut pas prendre le. Mais, allez! Mais. Pourquoi elle est bloquée? Mais, elle est con. Ouais, ou un truc qui a le même poids. Ça, là, j'aimerais bien que ça passe dans. Taras. Voilà, ça, là, tu le prends. Voilà, tu le prends avec toi, tu te mets et tu le jettes. Elle veut pas. Ok, donc ça sort pas. Ah oui, ça c'est. Ouais, y a un vrai bordel, ouais. De ouf. C'est vraiment. En plus, c'est tiré par les cheveux de ouf, hein, ce que je raconte. Hein. Ça se trouve, c'est full merde. Hein. Ok, donc quoi? Peut-être qu'en fait à droite il y avait les trois enfin espèces de statues comme ça, juste pour m'indiquer que c'est au-dessus d'une pièce où il faudra les trois statues. Donc c'est donc la pièce dont on a parlé. C'est aussi possible. Ça rend fou, ça rend vraiment fou. Donc maintenant il faut trouver un objet genre carré ou triangulaire. Peut-être. Ah c'est compliqué. Hein. Je pense que ça va détendre un peu quand
Je lancerai le prochain stream qui sera du coup sur Quantum Break, je pense. Ou alors sur un troisième jeu qui s'appelle, attention, ça a l'air vraiment sympa, mais vraiment pas le titre. Ça s'appelle Le Suicide de Rachel Foster. Je me suis pris ça hier, je crois. Et franchement, ça a l'air cool. Ça fait un peu penser à What Remains of Edith Finch et des trucs comme ça. Donc ça peut être sympa. Malgré le titre vraiment joyeux, quoi. Ouah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Faut que je trouve un truc rond ou un truc triangulaire, mais c'est pas possible, y'en a pas. Y'en a jamais. Là, y'a rien. Je sais pas, peut-être que je bouge ça. Ah, je peux monter là-dessus. Ok. Ça va servir à quelque chose, j'imagine. Non? Ça a pas l'air, hein. Ça a pas l'air de faire grand-chose, là. Ouais, non, c'est possible. Mais ça m'étonnerait parce que... En fait, à chaque fois, il remet, tu sais, l'objet, il le réenclenche dans le trou, finalement. C'est... Je suis en train de péter un plomb. Peut-être que du coup... Attends, y a rien, là? Je me dis, y a peut-être un truc rond. Genre, si je prends une tête, là. Ouais, non, n'importe quoi. Ouais, c'est très compliqué, ouais. C'est très très compliqué. Je commence à avoir une de ces dalles. Il est presque 20h là, je commence à avoir vraiment faim. J'ai pas mangé de la journée. Ça devient terrible. Parce qu'on a quand même pété. Faut pas oublier qu'on a quand même pété un vase dans la truc de gauche. Genre on a fait toute une espèce de chemin de la galère pour emporter un livre qui débloque une salle dans laquelle il y a un vase qu'on a cassé. Il y avait plein de cendres dedans. Et alors? Genre, il s'est vraiment rien passé avec ça. Ça, je peux le tirer, je peux faire quelque chose avec. Pas du tout. Nickel. Ça, je sais pas. Non plus. Ok. Hop. Hop. En tout cas, Tribax, je te le conseille. Enfin, si jamais t'en as fait aucun, vraiment, commence par le premier. Parce qu'il te... Il va plus t'initier à l'univers. Sachant qu'il est... Enfin, il y a plus d'action, quoi, je trouve. Et après... What? Pourquoi c'est là-haut? Est-ce que je peux pas prendre... Je peux pas le prendre, ça? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Mais... C'est-à-dire rien à comprendre. Je peux pas prendre, je sais pas moi, un truc sous la table? Je peux rien faire, cette pièce ne sert à rien. Bon, c'est complexe là. Je vous cache pas que je suis pas sûr qu'on avancera plus ce soir. Ouais. Bah je sais pas, en fait il s'est remis dessus, mais un peu comme tu sais tout à l'heure quand... parfait ça. Quand on avait foutu des livres partout en bordel dans la bibliothèque et que quand on est revenu ils étaient tous paqués au même endroit. Voilà, ça fait genre ce petit genre de bug là, voilà. On dirait que je fais, tu sais que je lève ma planche de skate. Wouah, je fais des backflips. Voilà, kickflip. Voilà, hop là. Je fais n'importe quoi, ça y est, c'est le cerveau qui s'en va. En effet, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le live là pour ce soir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et merci d'être passé. Merci d'être passé, merci d'être resté. C'est grave cool. Et je vous mets la suite. Enfin, je fais la suite. De toute façon, ça, je vous le mettrai en replay. Mais je vous ferai la suite dans la semaine, je pense. C'est même très probable. Demain, sûrement un petit Quantum Break. Probablement, en tout cas. Et voilà. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous a plu. Et puis comme ça, vous pourrez participer au live et tout. Et puis à très très vite. Ciao !